Voilà, tu as été interrogé sur ces caricatures de Mahomet. J'ai refusé. La vérité, qu'est-ce que je vais ? Je vais annoncer, je vais dire, ah ben nous, on rit de tout et c'est normal, il n'y a pas de sujet. Mais on peut dire que pour la première fois, le dessin, c'est un événement mondial provoqué par le dessin quand même. C'est, ouais. C'est rare. Non, mais comme dit Riz, on nous attend avec une grosse tête de Mahomet, tu vois. Moi, je pense. Ouais. Je pense qu'on nous attend avec une grosse tête de Mahomet. Parce que même Sarkozy, t'as vu, c'est étonnant ce qu'il a dit. Ouais. Sarkozy, là, il a blindé sa phrase. Par contre, Sarkozy, il va falloir lui rappeler sa phrase. Hein. Parce que... Oui. Tu as dit à Sarkozy, c'est quoi ta phrase ? Je préfère un excès de caricature plutôt qu'un excès de censure. Je vais peut-être voter Sarkozy, finalement. Mais oui. Tu vois, quand je dis toujours, moi, que je n'aime pas dessiner Sarkozy parce que je lui fais plaisir, ben, j'ai pas tort. Ça leur plaît. Même si on leur rentre dedans, ça leur plaît. Qu'est-ce que tu veux faire ? C'est notre boulot de leur rentrer dedans. Plus tu leur rentres dedans, plus ils sont contents. En Urss, ils n'avaient pas le droit de caricaturer Brejnev et toute la bande. Tous les maîtres du Kremlin n'ont jamais été caricaturés. Bah, t'as pas besoin d'aller en Urss. Moi, quand j'ai travaillé à l'UMA, personne n'avait jamais dessiné Georges Marchais ou un secrétaire du parti. Ça ne se faisait pas. Et quand tu vas à Cuba, il y a plein d'humoristes, il y a plein de journaux de caricatures, mais... Jamais il y en a un qui dessinera Castro. Donc on a du pot, nous. Ouais, on a du pot. La France est un paradis. Bon. Vous croyez qu'on a la couverture ? C'est une bombe, la couverture, aujourd'hui. Donc, faut que ça soit fort, ferme, et que ça ne laisse pas prise à... Je pense qu'il faut que ce soit une politique, tu vois. Pas une d'enculade de chameau, quoi. Touche pas à mon Mahomet, moi je la trouve vachement bien. Touche pas à mon Mahomet, c'est même la ligne de tout le numéro. Elle est super bien. Et elle est d'autant mieux qu'elle te fait mesurer comment on est passé. Touche pas à mon pote antiraciste et à touche pas à mon Mahomet, ce qui est plus de l'antiracisme, c'est de l'anti-blasphème. Pour celle-là, elle est très très bonne, quoi. Mais il pourrait délivrer un message plutôt sympa, tu vois, un truc énorme. Il faut savoir arrêter une grève. Mahomet, c'est un peu bonhomme. Il faut savoir arrêter une grève. Mahomet débordé par sa vase. La récréation est terminée. Qu'est-ce qu'il dirait ? C'est Mahomet. Alors là, il regarde les dessins et il dit franchement, ça m'a fait rigoler. Ah ouais. C'est la première fois que les Danois me font rire. Je veux dire la première fois. C'est bien la première fois. Voilà, maintenant, il faut dessiner Mahomet. Alors, moi, j'ai pas envie de faire un être grimaçant avec une barbe. Tu peux mettre un autre. C'est la première fois que les Danois font. Ah ouais, fais un truc comme ça. Si on fait rigolard, c'est vrai que c'est déjà ça le décalage. Ouais, c'est ça. On n'est pas obligé d'en faire deux. Non, mais moi, en tout cas, l'expression, elle est bien. Parce qu'il a l'air gentil, c'est ça ? Ouais, le nôtre, il est rigolard, quoi. C'est vrai. Et du coup, ça, c'est un truc aussi, ça arrive, mais nous. Nous, on est respectueux de votre foi, justement. On considère qu'on lui donne plus de chance à votre On considère qu'il est plus gentil que vous, que c'est vous les caricatures. Bande de cons. Non, mais oui, c'est. Être aimé par des cons, c'est. C'est dur d'être aimé par des cons. Ça, c'est pas mal, ça. Ouais, c'est cruel, mais c'est pas mal. Ah. Mais. Je pense que ça. Ça que... Oh, Marc, ça pète. Hein. Mahomet fatigué des intégristes. Mahomet sous Prozac. Oh, Marc, c'est chouette ça. On met Mahomet débordé par les intégristes. Oui. Plutôt que par sa base. Et là, il dit c'est dur d'être aimé par des cons. En tout cas, il y a un truc qui est malin, c'est. On n'a pas représenté Mahomet. On n'a pas vu le. Là, on ne voit pas le visage de Mahomet. Comme ça. Ah, oh. C'est plus fort. Oui. Ah, c'est beaucoup plus. Non, c'est plus fort, c'est beaucoup mieux. Ouais. Le plan qui est bien, c'est la position et tout. Ouais, c'est quand même plus. C'est plus mou, ça. Ouais. Bien, alors, on se concentre. Qu'est-ce qu'il y a de vous pourriez regretter dans tout ça ? Moi, je trouve la plus juste, la plus pertinente, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Qu'on s'attaque à l'intégrisme. C'est la plus forte, c'est sûr. Ça résume tout le canard. Pour une fois, la une résume tout le journal. Objection ?